et aux conciergeries gestionnaires de location courte durée ce petit tuto vidéo pour vous expliquer comment annuler un dépôt de garantie une empreinte bancaire déposée par un voyageur dans le cadre de sa réservation et de son séjour dans votre logement donc pour ce, ce faire on passe par Stripe Stripe est une plateforme de paiement en ligne un TPE en ligne il euh, n'y a rien de plus sécurisé c'est vraiment l'outil utilisé par la majorité des commerçants en ligne à travers le monde. Donc, euh, l'idée c'est de, 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 de pouvoir utiliser Stripe par rapport à Sweetly, c'est plus intéressant en termes de coûts et euh, et pas que, puisque en réalité qui euh, euh, alors moi j'avais déjà utilisé Sweetly par exemple, la problématique étant que il euh, n'y a pas vraiment de, de comment dire de, de sécurité sur le compte bancaire, c'est-à-dire que Sweetly va sécuriser les fonds. D'après eux, sauf que voilà, moi quand j'avais utilisé Swifty, le, le, le voyageur n'avait pas les fonds sur son compte bancaire et ça a pris plus d'un mois, euh, voire deux, pour pouvoir être, euh, être remboursé des dégâts qui avaient été effectués dans un logement, des petits dégâts. Donc je recommande davantage Stripe par rapport à Swifty. Donc Stripe, c'est un système qu'on peut euh, intégrer dans l'application Superhôte également, l'application Superhôte qui sert à automatiser et optimiser, simplifier, centraliser toute l'activité de votre location courte durée. Donc là. On a eu un petit, euh, une petite demande d'un voyageur, en fait, un voyageur qui a fait deux fois son dépôt de garantie. Donc je vais vous montrer la procédure dans Stripe pour tout simplement annuler un dépôt de garantie. Donc lever l'empreinte bancaire, tout simplement. Donc en allant sur le compte Stripe, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un dépôt de garantie qui a été fait par ce voyageur le 15 janvier et le 22 janvier. Donc pas utile d'avoir deux, euh, deux dépôts de garantie. Donc on va en annuler un. Pour ce faire, on va simplement cliquer sur. La ligne concernée et on va cliquer sur annuler tout simplement. On va sélectionner demandé par le client. On va cliquer sur oui. Donc on va devoir confirmer avec le mot de passe et c'est fait tout simplement. Le dépôt l'empreinte le, bancaire a été a été levé. Voilà donc on va le vérifier tout de suite dans l'onglet paiement annulé. Donc ce dépôt de garantie n'est plus actif, cette empreinte carte n'est plus active, mais celle-ci l'est toujours. Donc là, on a bien marqué annulé. Voilà, en espérant que ce petit tuto vous aura été utile. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée. À très bientôt.